Chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant vous ce soir. Chers invités, vous exprimez ma joie en ce jour d'inauguration de ce rond-point dans notre ville. Au-delà de la règle et principe de la circulation routière, l'aménagement de cette infrastructure contribue à l'embellissement de notre cité, à la fluidité de la circulation et à la diminution des risques d'accident. Il y a quelques années, cet endroit était connu comme un lieu où se passaient souvent des accidents qui entraînaient parfois des décès et où rendaient infimes certains de nos concitoyens. Conscientes de cet état de fait, les autorités régionales ont eu l'initiative de réaliser cette infrastructure qui s'inscrit dans le cadre de l'embellissement de la ville, mais de la réduction des accidents sur nos routes. Elle est en parfaite harmonie avec la politique gouvernementale en matière de circulation routière. Mesdames et messieurs, chers invités, ce programme d'aménagement du rond-point nous réconforte beaucoup, n'est qu'à ses débuts, car d'autres sont prévus à travers la ville, notamment le rond-point de la Banque Centrale, l'hôpital régional et Ogonburo. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom de la population de la région administrative de l'Avé, remercier très sincèrement tous ceux de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette infrastructure. Je profite de ces instants pour lancer un appel aux usagers de la route, de la population, pour qu'ils prennent toutes les dispositions utiles afin de sécuriser et entretenir cet important bijou dans l'intérêt de tous. Je ne saurais terminer cette intervention sans vous souhaiter les vœux les meilleurs de bonnes heureuses années 2023. Que l'année nouvelle soit pour nous une année de bonheur, de prospérité et de réussite dans toutes nos entreprises. Nos souhaits s'adressent particulièrement à Son Excellence, le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, pour son engagement dans le cadre de bien-être des populations. Vive le CNRD, vive la population de l'Abbé, je vous remercie.